Circulation interdite, sauf aux bus et services d'urgence. C'est ce qu'imposent ces blocs de béton, positionnés tels une chicane, rue Cavalier à Castanet, juste à la frontière avec la commune de Péchabou. Ils obligent à un détour de 4 km. Quand je dois aller chercher des matériaux chez des fournisseurs qui se trouvent à côté de l'écluse de Vic, il faut faire le tour par Castanet, encore une fois, déranger quantité de riverains nettement supérieure aux gens qui se plaignent actuellement ici. Pour 17, 16, 17 familles, voilà, on bloque une rue, on empêche les gens, comme vous avez vu, d'aller travailler normalement. Certes, ce n'est quand même pas tout à fait le mur de Berlin. Mais cet arrêté du maire de Castanet ravive des tensions exacerbées aux heures de pointe quand la police municipale oblige les usagers à faire demi-tour. Il y a assez d'exemples dans le monde qui montrent que le fait d'ériger des murs n'a absolument aucun bénéfice, mais ne fait qu'exacerber les tensions. Et c'est, à notre échelle, bien ridicule ce qui est en train de se passer ici. Aux heures creuses, personne ou presque ne respecte ce panneau. Sur Internet, une pétition a déjà recueilli près de 2000 signatures. Le collectif mènera une action ce vendredi à 18h pour essayer de faire évoluer cette situation.